Boxeur coin rouge, monsieur Muangsi Pouffalement. Funny thing about talking behind my back is that it just keep coming back to me, nigga. Was off for a sec, now it's back to me, nigga. You mad at me, this ain't what I want, man. It's what it had to be. This is that late night working after three, man. This is why my old girl was mad at me. This why I'm your majesty, man. The click is the tightest, the pussy the tightest, the drinks are the coldest, the future the brightest, the feet not divided, the love is divided, and I just got it. Thank God that we got it. Bless. I don't know what I would do with it. Je vous demande d'accueillir pour la Thaïlande, monsieur Pouffalement Muangsi. Monsieur Pouffalement Muangsi, coin rouge pour la Thaïlande, 61 kilos, 400, 120 combats à son actif, 120 combats à son actif, 99 victoires, 21 défaites. Il a été champion Isan, champion du tournoi Max Muay Thai. Il sera opposé aux Français. Et je vais vous demander pour l'occasion, s'il vous plaît, de vous mettre tous debout. Je vais demander à tout le public, s'il vous plaît, d'être debout. Debout, s'il vous plaît, aux tribunes. Debout, s'il vous plaît. Debout. Tout le monde debout, s'il vous plaît. Tout le monde debout. Debout. Et je vais vous demander, s'il vous plaît, debout. 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 Coach et entraîneur monsieur Gabriel Aignan, soigneur donc monsieur Zinedine Lamerlin et Jimmy Sidoni, 63 kilos, 200, 1m80 pour monsieur Omar Selami, 43 combats, 32 victoires, 11 défaites. Il a été champion de France 2014 et vice-champion de France 2015. Première rencontre internationale France vs Thaïlande sur cette 7e édition d'Empereur Choc 10, 5 rounds de 3 minutes. Arbitre et officiel de ce combat, monsieur Kader Sherfaoui. Allez Kader! Allez en bas! Thank you.
Voilà donc très joli rapport effectué par notre Natwe Huangxi pour Fan Wang pour cette rencontre internationale France vs Thaïlande au coin rouge Huangxi, au coin bleu Omar Selami pour la France. Je rappelle donc le palmarès donc pour le Thaïlandais Huangxi, 120 combats, 99 victoires, 21 défaites. Champion Issan, champion du tournoi Max Muay Thai. Et enfin, face à lui, Omar Selami pour la France. 43 combats, 32 victoires, 11 défaites. Champion de France 2014, vice-champion de France 2015. Première rencontre internationale France vs Thaïlande sur cette 7e édition d'Empereur Shakti au Parc des Sports donc de Vendeuvre. Vérification donc du matériel faite par notre officiel de l'AFMT, monsieur Kader Sherfaoui. Huangxi Phup Phan Wang pour la Thaïlande, face à lui Omar Selami, coin bleu pour la France. Première rencontre internationale France vs Thaïlande sur cette 7e édition d'Empereur Shakti. Et pas des moindres. Soigneur Ordurix, s'il vous plaît, Nakwe au centre. Soigneur Ordurix, s'il vous plaît, Nakwe au centre. Voilà donc remerciements à nos partenaires, donc la ville de Vendeuvre, les Nancy, la communauté urbaine et humaine du Grand Nancy, la ville de Ludres, le conseil général de Meurthe-et-Moselle, hôtel Kyriade. Merci à notre partenaire donc Rue des Fleurs, ABP Expertise, le Parmesan, le centre commercial Cora Nancy Houdemont, le restaurant Le Comptoir, Joya Fightgear, et bien entendu tous les médias Muay Thai TV pour la captation télé et les infos du fight. Combat Sport, je rappelle que ce gars-là sera retransmis en différé sur Combat Sport. Début de la première reprise.
putain. Fin de la première reprise, on peut les applaudir. Fin de la première reprise. Ah putain, en tout cas il a pris, hein. En tout cas il a pris, ok, c'est bien. C'est comme ça. Soigneur hors du ring, s'il vous plaît, la coin au centre. Allez, au bas ! Début de la deuxième reprise. Thank you.
Thaïlandaise. Fin de la deuxième reprise, on peut les applaudir. Thank you.
prévisions donc par rapport à cette première rencontre internationale France vs Thaïlande est donc déclaré vainqueur par KO à la troisième reprise le boxeur coin rouge Monsieur Muangsi. Monsieur le maire de Ludres, Monsieur Pierre Boileau, qui remet la récompense dans le camion Xi pour Poil Mong. Et j'aimerais qu'on applaudisse très fort Omar, c'est l'ami du club Union Gym. Il a rencontré l'un des meilleurs dans sa catégorie. Il rencontre...